regardez le vlog numéro 4 de la Hauteur US. On est à Red Bud, donc comme on dit ici, Red Bud! Red Bud! Il est exactement midi à Red Bud. Nous sommes le jeudi, veille de la course. D'habitude, on est vendredi, c'est samedi la course. Mais là, la course à Red Bud, c'est deux fois et c'est donc vendredi et lundi. Jeudi, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose. Alors, il faut toujours mettre le masque, mais là je vais l'enlever parce que je suis pas dans les pro pits. Quand je suis dans les pro pits là-bas derrière, le masque est obligatoire. Et après, là aujourd'hui c'est la journée des amateurs, donc le masque c'est bon, je peux l'enlever. Bon, bref, les amateurs ils sont là, ils sont là, ils sont nombreux. C'est eux qui découvrent la piste de Red Bud en premier, même avant les pros. Ils ont tout jeudi pour le faire, ils ont exactement 3 séances. C'est encore le silence dans mon dos, les motos n'ont pas encore démarré. C'est le groupe des 40 ans et plus. Et bah oui, hein, tout le monde peut rouler à Red Bud. Est-ce que vous avez déjà entendu un truc aussi chiant? Je vous ai dit tout à l'heure que les amateurs roulaient toute la journée à Red Bud. Mais il y a des amateurs de tous les âges, 40 ans, et il y a aussi les petits. Putain, mais moi je veux bien une maman qui m'entourage comme ça, et là, qui m'encourage sur le bord de la piste, ça m'a l'air pas mal ça. Là c'est saut assis. C'est de la triche, il va dire. Qu'est-ce qui se passe, Marvin? DV teste mon niveau. Putain, on a réussi à le mettre sur un vélo électrique. Ouais. Ouais. Et direct, il a voulu mettre le mode turbo. Je lui ai dit, essaye le plus petit. Il a dit non. Mode turbo, direct. Je pense qu'avec le mode turbo, il a pas fini de dire qu'on est des feignasses. Ouais. Et là, on n'est pas prêt de le revoir. Ouais, c'est sûr, il va dire c'est un truc de feignant. Attention. Attention. C'est top pour aller chercher le pain, voilà. Si t'as 85 ans quoi. Mais bon, si t'es normalement constitué, c'est une moto en fait. Tu fais rien. Juste tu mets le poids de la chaussure, tu vas à 30 km/h. Mais mets-le sur un et va dans une montagne. Ça y est. Je me suis mis sur un en retour. J'ai fait 3 à l'aller, 1 en retour. Mais c'est pas mal. Il est 18h30 et qu'est-ce qui se passe à 18h30 sur la piste de Red Bud? Vous avez les Français là? Marvin, David, Larry, Nastasia et Dylan qui font le tour de la piste. Donc je vais aller les suivre un peu, voir un peu ce qu'ils se racontent. Des pédales automatiques à l'époque. Tu crois qu'il faut que je coupe ça ou pas? Non, mets-le. Mais comment tu peux savoir, Marvin? T'étais pas là, t'étais pas assez bon pour faire d'être dans l'équipe. Ah, ça y est, tu peux pas savoir. Ça y est, ça repart. Là, c'est bon, il croit qu'il fait les nations. À un moment donné, il faut mettre du gaz. Ils peuvent me dire merci en 2015. Parce que si j'étais. Non, on s'en rappelle plus, c'est trop loin. Il n'y a même pas de moto à l'époque. C'est Ernie. Demic. Ernie ? Il y a une nation là-bas ? Mais pourquoi tu dis pour dire merci ? Non, parce qu'il me dit que j'étais pas l'année dernière. Là, Red Bud, il dit que j'étais pas assez bon. Il a pas pu voir, il était pas là. Oui, j'ai compris. À Ernie, c'est bon, on fait la sélection. Parce qu'il n'est pas assez bien parti, il met pas assez du gaz et il tombe trop souvent. Voilà
le tour de la piste avec les franchises, c'est terminé. Il est 19h15, je les laisse là-bas dans le fond. J'espère que ça vous a plu, un petit truc un peu différent, ça fait toujours plaisir et c'est cool de les voir comme ça en inside et complètement décontracté. Il est exactement, enfin pas exactement, il est bientôt même 23h à Red Bud. La journée de jeudi, j'en bafouille, se termine. Très bonne fin de journée d'ailleurs. Après avoir été faire le track walk avec les Français, on s'est retrouvés ensemble, on a passé du bon temps, c'était bien sympa. Désolé, pas de vidéo, pas de caméra, pas de GoPro, c'était juste entre nous. Donc il y a des fois comme ça, on préfère garder des petits moments à nous. Mais c'est pas grave, le vlog quand même continue. Je m'enfonce dans la nuit dans le camping de Red Bud. Mais on se retrouve demain, vendredi, pour la suite de ce vlog de Red Bud numéro 1. Oui, ça c'est une batterie GoPro, ça c'est le chargeur. Et quand tu pars le matin pour filmer le vlog et que tu as pris une batterie qui n'est pas chargée, tu as les boules graves. Bon, c'est pas grave, j'ai pas filmé les premiers essais. Le vlog commence avec les deuxièmes essais. Bon, je suis un poil à la bourre. J'ai l'impression que c'est un peu le fil rouge de ce vlog. Enfin bref, derrière le podium, il y avait Dylan Ferrandis parce qu'il a fait péter le meilleur temps de la catégorie 250. Merci. Maintenant, c'est la dernière série chrono 450. Je vais me dépêcher parce que si je pouvais ne pas rater, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ça qu'il me faut, c'est ça! C'est Black Baguette qui fait le meilleur temps en 450 dans la dernière séance d'Essi Chrono. Donc je parle pas trop fort parce qu'elle est en train de faire l'interview là. Les séances d'essai chrono sont terminées, je retourne sur mon quad. Et je vais aller dans le bureau pour pouvoir envoyer toutes les photos à Justine et mettre sur la page Facebook. Voilà, ça change pas beaucoup d'une course sur l'autre. C'est un peu toujours pareil, la même chose. Il est midi exactement. Je suis venu me mettre un peu au calme, tout en bas de la piste, pour faire mon lunch. La boîte, des sandwichs et chips, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc je vais manger ça tranquille, faire une petite pause et puis on est à 20 minutes du départ de la première manche 2,5 pour Red Bud numéro 1. On a Dylan là-bas qui est en train de choisir sa grille de départ. Le choix est important. Là, je vais demander à DV ce qu'il en pense. Et la première, en te mettant à gauche de la... T'as vu, elle est décalée là. Ça passe pas à gauche de la... T'as vu comme c'est dur là. C'est ça moi qui me tracasse. T'as vu, ils ont arrosé. Et c'est mou d'entrée de jeu. Et t'as vu, elle monte cela. Les autres, elles sont plus belles. Pour ce niveau d'attendance et de qualité de vue. Can you imagine when this whole thing behind us? Hein? 2021, the crowd that's going to be here. The one that's 4-6 ou 1. 4 à
Non mais moi je te parlais que de la tête de la de l'ornière devant la grille. Tu vois? Enfin derrière la grille. 4, 6, 11. La 6 et 11 c'est les deux meilleurs. Mais la 4 derrière la 4 elle est belle, elle est dure. Hein. Et là, là t'as pas besoin de creuser où la grille elle tombe, elles sont bien plates. Il faut juste bien faire la pente, les deux pentes et c'est bon. C'est lui qui choisit au final. Ben, tu donnes des indications. Tu donnes un peu ce que. De toute façon, il n'est pas aveugle. Mais... La 4, tu la sens pas? La 4. Mais ouais, mais ça, tu. Ouais. Ouais, je vois qu'elle est basse derrière, il y a un trou. Mais tu peux pas combler ça. Il est beau, Macadou, avec sa. On dirait que c'est l'ancien, les ancêtres du JT Ronde de Chine. Ouais. C'est pas dalmatien, c'est Camo. Is it 350? Sure. Hey, you get beat by your brother. Okay. Donc tu disais que tu donnais des consignes, mais à la fin c'est lui qui choisit. Tu donnes 2-3 options. Mais après oui, il voit où il se sent peut-être le mieux, où il sent le mieux. Tu vois. Et si des options là, moi. Garde-la cette terre là, elle est bonne là, remplie. Putain. Rempli là. La banane. La banane. Ah, tu donnes les options. Tu donc dis... ma question c'était, si je choisis l'option la plus mauvaise, est-ce que quand même tu vas lui dire? Oui, évidemment. Si tu me dis, oh, je préfère ça, je vais lui dire. Non, oublie. Mais là, vu les traces, là il prend la sixième, ça serait mon premier choix. Mais comme moi j'aime bien les coups du père François, moi je fais le premier temps ici, je me remets à la première intérieure. Je me remets à la première intérieure parce que regarde, c'est pas damé. Là-bas c'est mou en sortie de grille. Là c'est tout sec, dur. Et tu vois, la première, pendant loin, ça n'a pas été labouré là. Et pour moi, ça c'est important. Mais après, le problème c'est que la trace, l'ornière derrière la grille, elle n'est pas belle. Et tu vois, c'est bien, les mecs ils sont pas à l'extérieur là-bas. Plus ça va, plus les mecs sont à l'extérieur, pour lui mieux c'est. Pour les deux et demi, allez, je vous montre avec Jack Masterpool. Derrière, Jérémy Martin le fait pas. Ah, il le fait bien, Dylan, il le fait bien. C'est Jérémy Martin qui va arriver derrière moi, qui remporte la
Première manche, 2,5 à Redbud. Petite chute de Dylan Ferrandis dans les premiers tours. Et malheureusement, il finit 7ème. Bientôt 14h, ça va être le départ de la catégorie 450, la première manche. Première manche à Redbud numéro 1 pour les 450. Ça va bientôt commencer. Osborne qui gagne la première manche 4,5 devant Marvin Musquin et Chess Sexton. Je vais aller les rejoindre sur le podium. Qu'est-ce que ça dit ? Bah, on y retourne. Encore une et l'apéro. Hein ? C'est vraiment une journée. Dommage, il a la première manche qui se vote tout seul là. Ça s'explique ça parce... Ah bah il a fait une erreur, hein, ça arrive. Hein. Erreur peut-être pas assez, peut-être trop excité, pas assez focus. Je pense qu'il a perdu l'arrière sur un genre de petit dôme et il a perdu l'avant. Mais ouais, si ça avait été mieux en première manche, ce temps magnifique, petite brise, 27 degrés, mais vraiment. On peut pas faire mieux, pas faire mieux. Conditions exceptionnelles. Terrain bien champ de mine. Donc on verra. Qu'est-ce que tu as dit pour le départ ce mois? Voilà, quand tu rentres à 7, tu te mets un peu où il y a la place. Donc il s'est mis un peu plus. Il est à peu près au même endroit que la première. De trace inter. J'ai pas vu le départ, je regarde plus. Je sais pas, j'appréhende le départ. Donc j'ai pas vu le départ. J'ai vu qu'il était 6. Pour Dylan, quand t'es 6, c'était pas mal. Enfin, pas pour Dylan, mais quand tu pars 6, c'est vrai que c'est pas partir en tête, mais tu peux voir venir quand t'es 6, tu vois. Mais bon, quand tu passes, quand tu tombes au premier tour, il vaut mieux tomber au dernier tour. Hein, que les écarts sont faits. Tu comprends ? Le premier tour, c'est compliqué, il faut doubler tout le monde. Donc voilà, il est plus en tête du championnat. Il faut se remettre dedans. J'espère qu'il n'y a pas trop de séquelles de la chute, séquelles physiques de la chute de la première manche. Et puis on verra bien. On va faire autrement. Hein. Gâchis d'eau, mais de quoi vous parlez? Non mais de l'eau on en a, hein, il faut s'en servir. Hein. Allez, c'est sûr. It's cold. It's not too hot out today though, so. Deuxième et dernière manche de la catégorie 250. Dylan se retrouve un peu plus à l'intérieur. Bon, ça tombe presque bien parce que c'est la place qu'il voulait prendre dans la première manche. Donc en espérant qu'il fasse un bon départ et que cette fois, il aille jusqu'au bout. Ouais, il va
aller jusqu'au bout comme dans la première, mais sans tomber quoi. C'est fait pour les 2,5. Reste une manche, 4,5. À Redbud numéro 1. Le big, yeah, the best, le big. C'est la dernière de la journée. Je dis, on pourra avoir d'autres manches. Hein. Il fait tellement beau, c'est tellement une belle journée que s'il y avait 3 manches, ça serait pas très grave a priori. Hein. Enfin, plus pour nous que pour eux. Hein. Une belle course de Zach Osborne. Il fait 1-1 à Redbone et consolide ainsi sa place de leader du championnat 4,5. Bon ben voilà, bonne petite journée ma foi. Je vais récupérer mon quad là-bas et direction le bureau pour récupérer, putain décidément je récupère plein de choses, mes trépieds et micro le Big USA et c'est parti pour la chasse aux interviews. Interview avec Jérémy Martin, chacun son tour, Vital MX et après c'est moi, enfin c'est moi, c'est le Big USA.com, c'est pas moi, mais enfin c'est moi qui fais l'interview pour le Big USA.com. What's up, le Big? West Coast. West Coast. MX culture. Donc là, j'attends encore une fois. On dirait que je suis toujours derrière Vital MX. Mais bon, je suis quand même bien placé. Voilà. Faut dire qu'on n'est pas super nombreux non plus. Et Sally, qu'est-ce que tu branles sur ton téléphone? Tu te fais chier là, non? Non, non, regarde, j'ai tout en train de truc. Il y a un mec qui vient juste de m'envoyer ça. C'est quoi? C'est moi à l'âge de mon fils aujourd'hui. 1993. Oh, c'était gueule. 15 ans et des brouettes. Il faut la classe là quand même. Bon, toi il faut que tu charges la GoPro parce que là c'est... Qu'est-ce que ça dit? Non mais tu... le social distancing. Ah ouais merde, dégage. Mais j'ai mon masque. Ouais mais dégage. Eh, tu vois pas comme ça? Casser la gueule, moi. Ça casser va la gueule, moi. Tu vois bien, t'as tout pris là. T'as tout fait tes interviews, tes machins. Reste les points de chou. Oh, ça, c'est facile ça. En plus, c'est bien si tout le monde reste. Ouais, tu vois, tac. Et tu. Les bières, elles sont. Je vais aller piquer les bières. Tu dis que tu t'occupes des chips ou quoi? Ouais, je vais piquer des chips. Okay. Rendez-vous ici dans. Ouais, 5 minutes. I love everybody. Mwah. Fantastic. Much love in the world. This man right here, top shelf. Top shelf people. Yeah, that's good.
trouvé les plus belles du paddock. Ta-da! Wives meeting. À un moment donné, comme il disait mon père, c'est plus dur de la fermer que de l'ouvrir. Hein? Ouais. Donc, tiens, mais ça a coupé. Mais non, ça n'a pas coupé, donc c'est rouge. C'est l'écran qui a coupé. Ouais, c'est l'écran qui a coupé. Tu fais une fois dessus. Piquette! Non, les gars, vous allez prendre une rafale d'un coup, ça va faire trop drôle. Là, vous prenez trop confiance. Biquette, j'ai faim! Biquette, merde! Biquette, j'ai faim! Casse-couille au bout d'un moment, moi je la tape comme ça là après la course, là. Merde! Allez, l'âme, c'est en toi. Bonne bière, Biquette! Mais je suis en train de rigoler là! Mais c'est juste que merde, au bout d'un moment! Oh, Biquette, au bout d'un moment, fait, merde, je fais chier! Exactement! Je suis d'accord, moi! Ça marche pas, putain! On est pas bien là ou pas? Ah ouais? Moi je les sens passer, les. Alors, il a fait le ménage parce qu'il y avait, une espèce de tas là par terre, ouais, entre les chips. Les chips. Les chips. Les chips. Et il nous reste 4 bières, 2 Bushies et 2 Coors Light. Bon, ça en fait une, on va s'en faire une tranquille. Laisse-moi chiquer tranquille là. Il est 19h, on est là, on est top. Il fait beau. T'as pas froid toi? J'ai pas le cul. J'ai pas froid. Et j'allais dire une connerie, mais. À un moment donné, est-ce que tu vas te teindre les cheveux? Parce que là. Et rose aussi. Hein. Georges? Alors, on va lancer le débat. Est-ce qu'il faut mieux avoir des cheveux blancs ou pas de cheveux? J'en ai moi des cheveux, mais je les coupe. Tu sais que maintenant, j'ai la barbe. Cassée. J'ai la barbe. Cassée. J'ai la barbe qui. Moi, qui les cheveux, ils sont là. Ils ne vont nulle part. Mais tiens. T'as déjà vu un âne chauve? Un âne chauve? Ouais. Est-ce que t'as déjà vu un âne chauve? Non. Ah, voilà. Je suis pas un âne. C'est quoi ça? C'est cassé! Non, mais c'est quoi ces trucs? C'est quoi? La question, t'as déjà vu un âne chauve? Non. Ah! Moi je parle pas aux cons, ça les instruit. Ça les instruit. Michel Audiard. Ça va couper. Allez! GoPro et tes vidéos. Quelle heure il est? Il est 11h exactement, donc 23h, et là on est en train de jouer à un jeu qui s'appelle le Jenga. Donc là, voilà, donc là Lisa elle est en train de faire un truc et tout. Bon, on a un peu bu quand même, hein, donc là on va voir si. Oh oui, 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 oui! Oui, bravo, bravo! Bon allez, retour au bureau après un peu des aventures un peu mouvementées dans les pits de Red Bud. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quand même de l'ambiance. Il est exactement minuit. Donc malheureusement, je ne vais pas aller me coucher tout de suite. Je vais aller mettre quelques trucs en ligne. Et puis je pense qu'on peut arrêter là le vlog numéro 4 de Louder US pour Red Bud numéro 1. Et on se retrouve pour un autre vlog. Un autre vlog, ça sera Red Bud numéro 2. J'essaierai de faire un truc un peu différent. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Ciao !